Salut à tous amis gamers, amis gameuses, c'est Sylar et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour l'épisode 9 de Planet Coaster. Alors souvenez-vous, dans le passé, je vous avais proposé un tuto construction sur la personnalisation d'attractions niveau débutant. Alors c'était plus précisément dans l'épisode 6. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à aller le voir avant celui-ci. Car dans celui-ci, on va justement parler de la même chose, sauf que dans cet épisode 9, on va franchir un petit cap et on va parler, en tout cas je vais vous proposer un tuto concernant la personnalisation d'attractions, mais ce coup-ci en niveau intermédiaire. Alors n'ayez crainte, hein, pour tous ceux qui sont réticents à la construction, j'ai fait en sorte que cela reste malgré tout abordable pour tout le monde. Cela vous demandera juste un petit peu de patience et un petit peu de temps, ou tout du moins beaucoup plus de temps par rapport à ce que je vous ai proposé donc dans l'épisode 6. Je vais de toute manière vous laisser le découvrir par vous-même, et ce que je vous propose, c'est de se retrouver juste après le petit montage que je vous ai préparé. We'll be right back.
Voilà pour la construction donc de niveau intermédiaire. Comme vous avez pu le voir, le fait de créer un bâtiment tout autour de votre file d'attente donne un cachet supplémentaire à votre attraction. Alors il faut savoir que c'est pas vraiment compliqué hein, de faire ce genre de choses. Ça vous demandera juste un tout petit peu de temps. Beaucoup plus malgré tout que ce que je vous avais proposé en tout cas dans l'épisode 6. Mais dans l'ensemble, ça reste très clairement abordable, même pour ceux qui ne sont absolument pas habitués à la construction. À présent, parlons du contenu que je vais vous proposer dans le futur, et plus précisément le contenu des 3 prochaines vidéos. Dans un premier temps, ce que je vais essayer de vous faire, c'est une vidéo sur la création d'une scène. Ensuite viendra le tuto de personnalisation d'attraction, mais ce coup-ci niveau avancé. Et pour finir, je vous présenterai enfin ma zone pirate que je cache volontairement depuis le début. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un max de j'aime, de commentaires ou de vous abonner à ma chaîne. C'est très très important et ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis rendez-vous à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sailar, tchuss.